Le théâtre français est en deuil, le comédien Claude Évrard est mort cette semaine après avoir contracté le coronavirus. En plus de s'être illustré sur les planches et à la télévision, avec son ami Philippe Avron, il avait fait plusieurs apparitions remarquées au cinéma. Un autre artiste est mort des suites du coronavirus, le comédien Claude Évrard est décédé le 20 avril 2020, à l'âge de 86 ans. Comme sa famille l'a précisé à l'AFP, cet homme de théâtre s'est éteint à Clamart, en région parisienne, après avoir contracté le Covid-19. Il laisse derrière lui la comédienne Danielle Ajoret, son épouse depuis plus de 60 ans. Élève de Jacques Lecoq, maître du théâtre physique, Claude Évrard a été le complice de Philippe Avron, avec qui il a écrit nombre de sketchs humoristiques avec succès dans les années 1970 à 1975. Le duo Avron et Évrard s'est illustré dans les cabarets de la rive gauche, puis à Bobino, à l'Olympia et à la télévision. Les deux hommes ont débuté leur carrière auprès de Jean Villard et ont fonctionné en tandem jusqu'en 1975, avant de prendre des chemins séparés. L'occasion pour Claude Évrard, né Claude Thébault, de jouer sous la direction de Peter Brook dans La Cerisée de Tchekhov au début des années 1980 ou de Maurice Benichou pour Un Dom Juan aux côtés de Nils Arestrup. En 1989, il a été nommé au Molière pour le prix du meilleur comédien dans un second rôle dans Un mois à la campagne d'Ivan Tourguenieff. Sa carrière a également été jalonnée de petits rôles au cinéma, dans Le Distrait de Pierre Richard, 1970, ou plus récemment dans Ce qui nous lie de Cédric Clapiche, 2017. Claude Évrard était également un homme de pédagogie puisqu'Aïeul a été enseignant d'art dramatique à l'école Jacques Lecoq, au cours Périmonie, à l'école du Passage ou encore au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique. Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh tin tức VTV Online của chúng tôi. Hôm nay chúng tôi sẽ đưa đến các bạn những tin tức mới nhất của trong ngày. Và vì dịch Covid-19 hiện tại đang lan rất rộng trên toàn thế giới và nước ta là một trong những nước mà có những mầm dịch được hạn chế nhất. Và hôm nay VTV của chúng tôi sẽ đưa đến cho quý vị và các bạn những tin tức tuần tự và các tỉnh thành, các mầm dịch như sau. Yên Mô hiện tại là chưa mắc ca Covid nào 19.